C'est beau, ravi de te voir. Mesdames et messieurs, merci d'être là pour ce briefing. Je viens de présider la séance du Conseil de sécurité consacré aux questions humanitaires en Syrie. La séance n'est pas tout à fait terminée, mais les ministres présents se sont exprimés. Et maintenant, ce sont les autres représentants. Quel était le sens de cette réunion? Non pas d'adopter une résolution. Nous savons que dans l'état actuel du Conseil de sécurité, ce n'est malheureusement pas possible, mais porter témoignage et réagir. Le témoignage, il a été apporté en particulier par le haut commissaire aux réfugiés, par le secrétaire général adjoint des Nations Unies et par nos collègues des pays voisins de la Syrie. Et ce témoignage est évidemment accablant. Like to thank you for coming here today. I have just left the Security Council, which I am chairing. We have convened this meeting to discuss the humanitarian crisis in Syria. It is not yet at an end, but the principal ministers have spoken and the others are about to take the floor. What are the reasons for this meeting? It was not to adopt a resolution. We know that that is not possible given the current state of the Security Council at the moment, but it was rather to bear witness and to react. Witness has been eloquently borne by the High Commissioner for Refugees and the Deputy Secretary General of the United Nations and our colleagues, the ministers from the neighboring countries of Syria. And what they have said has been terrible. Ce témoignage n'a été contesté par personne. Déjà 25 000 morts, 250 000 blessés, plus de 250 000 réfugiés, plus d'un million de personnes déplacées en Syrie, près de 3 millions de personnes directement touchées par la crise, c'est une catastrophe humanitaire. Et dans une telle situation, telle qu'elle a été exposée au Conseil de sécurité, personne, je dis bien personne, désormais ne pourra dire qu'il ne savait pas. Il ne s'agit pas simplement de porter témoignage, il s'agit de réagir. Il y a deux points sur lesquels tous les collègues que j'ai entendus, et probablement presque tous, à l'exception d'un ou deux autres, seront d'accord. D'abord, il faut absolument augmenter nos moyens pour faire face à cette catastrophe humanitaire, que ce soit en Syrie ou dans les pays qui accueillent les réfugiés. C'est une question notamment financière. Les sommes qui auraient dû être allouées à cette tâche n'ont pas encore été allouées. Il faut donc augmenter l'effort et des orientations ont été prises dans ce sens. La France, pour sa part, a décidé d'augmenter, je l'ai annoncé, de 5 millions d'euros son aide, portant son total à environ 20 millions d'euros. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle faisait un même effort. Les États-Unis ont plaidé en ce sens et d'autres encore. On a donc besoin de financement et les Nations Unies prendront des initiatives en ce sens. Deuxième point sur lequel chacun est d'accord, et j'ai interpellé personnellement le représentant syrien sur ce point, il faut que les règles humanitaires et du droit international soient respectées par les différentes parties, bien sûr, mais d'abord, au premier chef, par le clan de M. Bachar el-Assad. Elles ne le sont pas. J'ai donné l'exemple de ces médecins, déjà plusieurs dizaines de médecins tués, plusieurs centaines arrêtés, dont on n'a pas de nouvelles, et arrêtés, c'est une ironie dramatique, parce que, dit le régime, ils avaient du sang sur les mains, le sang des personnes
blessés par le régime et qu'ils essayaient de sauver. Financement supplémentaire, respect du droit humanitaire. D'autres éléments sont apparus aux yeux de beaucoup. D'abord qu'il faudra que les coupables de ces crimes soient tenus pour responsables, jugés et condamnés. Ensuite, d'autres éléments ont été proposés, et en particulier le représentant de la Turquie a abordé cette question très difficile. Comment faire en sorte que si les réfugiés se multiplient, ils soient accueillis dans des conditions correctes ou qu'on essaye de les maintenir en Syrie. Là, les avis peuvent encore être analysés et diverger. La notion, vous le savez, de zone tampon a été abordée. Beaucoup ont souligné, soit en séance plénière, soit dans les couloirs, que cela posait un certain nombre de questions. Pour sa part, la France insiste sur l'aide aux zones libérées. Mais il y a un autre aspect qui est évident. C'est qu'autant il faut agir, et beaucoup plus fortement que dans le passé sur le plan humanitaire, autant la cause de tout cela est politique. Et là, évidemment, on a senti l'opposition qui existe au sein du Conseil, qui n'a pas encore été résolue, entre l'immense majorité de ceux qui se sont exprimés, qui veulent la chute de M. Bachar el-Assad, la préparation d'un autre régime, et qui ont proposé des dispositions en ce sens, et d'autres qui sont ceux qui, jusqu'à présent, ont empêché l'adoption d'une position unanime du Conseil. Mais tous ont reconnu l'espoir, même si c'est difficile, placé dans la mission de l'Akhdar Brahimi sur le plan politique, sur le plan diplomatique, étant observé que les questions humanitaires doivent être traitées en tant que telles, mais qu'une plus grande catastrophe ne sera évitée que si une solution politique est donnée à ce très grave conflit. Voilà, en quelques mots résumés, l'apport de cette journée. Tous ceux qui se sont exprimés ont remercié la France d'avoir pris cette initiative, en particulier, évidemment, les pays les plus directement concernés. Je pense à la Turquie, je pense au Liban, je pense à la Jordanie, je pense à l'Irak. Je n'ai pas écouté la réponse du représentant syrien, mais je n'ai pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination en pensant que lui n'était pas heureux d'une telle réunion, ce qui est un élément supplémentaire pour en justifier le bien fondé. Je suis à votre disposition, après l'interprétation par notre interprète. The situation in Syria has seen 25,000 deaths, 250,000 have been wounded, 250,000 are refugees, there are more than 1 million who are displaced, 3 million are directly affected by what is a humanitarian disaster. So, as the Security Council, as everybody is well aware, cannot say that it doesn't know what the situation is, the reaction of all colleagues was, nearly all colleagues, was to emphasize two points on which practically everybody was in agreement. First of all, there must be an increase in the means to deal with this humanitarian crisis, both in Syria and in the host countries of refugees. And first then, this requires an increase in financial aid. The sums that should have been allocated have not yet been disbursed. France has decided to increase its aid by 5 million euros, and this will bring its total to more or less 20 million euros. Great Britain made a statement along the same lines, as did the United States. We also are aware that the United Nations will be taking initiatives here. Then the second issue is
And I asked the Syrian representative about this, the need for human rights to be respected, firstly by Bashar al-Assad, and we know that several dozen doctors have been killed, hundreds have been arrested, and there are, we have no news of them. The reply of the Syrian regime has been that they have blood on their hands, but the blood is that of those they have been trying to help. So firstly, funding. Secondly, human rights. Then there are other elements as well. Those responsible for this crime must be brought to justice and sentenced. Certain other elements were raised in the meeting. Turkey addressed a very difficult issue of what is to be done with the increasing influx of refugees and the conditions in order to receive them appropriately. What about trying to retain them in Syria? Then there are other ideas that have been mooted as well. France has expressed the idea of a buffer zone, and we want aid to go to those zones that have been freed. No, not a buffer zone. Paying attention to the areas which have been liberated. Which have been liberated. My apologies. It's necessary to act not just on the humanitarian front, but the cause of the situation is political. And here there is still opposition in the council. We know that a large majority there wishes to see the overthrow of Bashar al-Assad, and measures have been taken or are being prepared. But it is not possible to adopt a unanimous position. We all, though, have great hope in the mission of Mr. Brahimi, both a political and a diplomatic solution. A political solution alone is one that can bring resolution to this conflict. So basically, that was the gist of the meeting. All speakers expressed their thanks to France for having convened it, especially those directly concerned, the representatives of Turkey, Lebanon, Jordan, and Iraq. I have as yet to hear the response of the Syrian representative, but I don't need much imagination to think that he will not be very happy at the convening of this meeting and the result thereof. À vous. Merci, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Joanna Kutsi, je suis avec The Wall Street Journal. À propos de ce qu'a dit Monsieur le Président François Hollande lundi dernier, que l'usage d'armes chimiques par le régime syrien serait une cause légitime d'intervention directe en Syrie de la part de la communauté internationale, est-ce que vous pouvez juste élaborer qui c'est cette communauté internationale? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est l'OTAN? Ou bien est-ce que ça serait l'armée française plutôt? Est-ce que? Ou bien est-ce que ça serait plutôt l'armée française en coalition avec d'autres pays? I'm from Wall Street Journal. I should just like to refer to what the French President, Monsieur Hollande, said, that the use of chemical weapons by the regime would be a pretext for the international community, a justified reason for the international community to take action. What do you understand here by the international community? Would it be the United Nations, NATO, or the French Army? Les armes chimiques et bactériologiques sont d'une nature particulière et d'une dangerosité encore plus grande que les autres. Et elles font l'objet d'un régime international particulier. C'est la raison pour laquelle, lorsque le clan de M. Bachar el-Assad a reconnu qu'il en possédait et s'est exprimé dans des conditions assez obscur d'ailleurs, sur leur éventuelle utilisation, il y a eu plusieurs réactions internationales immédiates dont la France fait partie. Vous rappelez que le président Obama, abordant ce sujet, a dit en substance que si il était fait recours à ces armes, cela changerait sa totale perception de la crise. D'autres leaders l'ont fait également. En ce qui concerne la France,
Il est évident que nous jugeons totalement inacceptable qu'il puisse être envisagé l'utilisation de ce type d'armes. Nous suivons au jour le jour ce qui se passe sur le terrain, puisqu'il y a des problèmes de localisation, d'éventuels déplacements. Nous nous concertons avec nos partenaires, selon des formes que je n'ai pas à définir ici, pour être certains d'empêcher toute utilisation de ces armes. Si la tentation en venait, soit au régime actuel, soit à tel ou tel, la réaction serait immédiate et fulgurante. J'ai dit que nous avions des concertations avec nos partenaires. Monsieur le ministre. Chemical and bacterial weapons are of a special nature and extremely dangerous, and they therefore come under a particular international regime. So when Bashar al-Assad stated that he and his clan possessed them and was rather obscure regarding a possible use of them, there were international reactions to this, and France was one of the countries that reacted. President Obama himself said that were they to be used, this would totally change the perception of the crisis, and others expressed the same sentiments. As far as France is concerned, we believe it is totally unacceptable for the idea of using these to be entertained. We are following situations on the ground very closely as there are problems of movement and identification. We are consulting with our partners. We want to put an end to any use of these arms or any temptation to use them, either by the regime or anyone else. There would be an immediate and extremely strong reaction were this to happen. And the question was put, who would react? The answer, we are consulting with our partners. Mr. Minister, thank you. You met Mr. Al-Akhdar Al-Ibrahimi today, maybe for the second time since he was appointed. So what's your understanding to his mission, to his mandate now? And do you really believe that there is a chance for a diplomatic or a political solution to the Syrian crisis? Thank you. Monsieur Brahimi, qui est un diplomate expérimenté, a dit lui-même que sa tâche était extrêmement difficile. Et lorsque nous l'avons rencontré, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et que quelqu'un lui a demandé, mais quel est votre plan exactement, il a dit, comme je suis très réaliste, je n'ai pas de plan et je vais avancer peu à peu. Sa tâche est effectivement très difficile puisque M. Kofi Annan n'avait pas réussi à la mener à bien. Il part sans idée préconçue. Il a un grand atout pour lui, c'est qu'il a manifestement la confiance de l'ensemble du Conseil de sécurité. Et c'est un des points qui a été souligné encore dans notre réunion ministérielle, il a la confiance du Conseil de sécurité. Mr. Brahimi is an extremely experienced diplomat, and he has admitted himself that his task is very difficult. When we met, we have met on several occasions. He was asked about his plan, and he said, I'm a realist, I have no plans. I shall move forward a little at a time. It must be remembered that Kofi Annan was unable to make progress, but Mr. Brahimi has no preconceptions. He does have one great element in his favor, and that is that he does enjoy the confidence of the entire Security Council. Merci beaucoup. Merci.